Bien. Nous allons tous courber nos pères. Bisonyon se tokumba wa mutuna biso, ganga bisongumba mutuna yo. Nous allons essayer de nous approcher encore plus près de Dieu dans notre pensée. Nous allons entrer dans nous-mêmes pour permettre à notre pensée de se trouver devant la face de Dieu. Puisque nous avons besoin et nous avons soif de sa présence. Nous avions la soif de sa présence. Entre dans sa présence et laisse ton cœur tranquille et laisse dominer la parole de Dieu en ton esprit afin que désormais ta vie expérimente quelque chose. Tu as besoin de cela. Jésus,
Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à celui qui vit pour toujours avec nous. Gloire à celui qui prend nos choses dans ses mains. Et lui seul qui nous qualifie de faire sa volonté. Gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Gloire au Seigneur de la vie. Gloire au Seigneur de notre vie. Gloire à notre Sauveur. Que son nom seul soit élevé. Et que son nom seul soit glorifié. Lui qui nous tient à la main. Et lui qui nous parle directement. Et lui qui concerne notre vie. Merci Seigneur d'être ici présent et de faire pour nous d'autres choses les plus meilleures. Nous te sommes reconnaissants parce que tout pour nous est merveilleux. Gloire à toi, louange à toi, honneur à toi, béni soit ton nom à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles. Nous allons parler des questions de mariage. D'abord, je vais aborder quelques premiers points la première semaine. Et l'autre semaine, j'aborderai le deuxième niveau. Et ensuite, je répondrai à des questions que vous allez m'écrire. Au Congo, la Bible a toujours été ainsi depuis au temps de la Bible. Le mariage, c'est toujours des questions. Des questions et pourquoi des questions? Je dois d'abord présenter le sujet et s'il y a un point difficile que vous n'avez pas compris, vous écrivez à la troisième semaine. Si Dieu me garde encore ici avant le voyage, je répondrai à ces questions. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais vous devez être attentif à la prédication afin que je réponde directement à vos questions, même si vous ne les avez pas encore posées. Mais en écoutant le message, que vous compreniez. Et ce que dit Paul en disant, maman là, mon matin, il est écouté ça. Paul dit, n'a pas déjà qu'on y a de là. N'a mis tout dans la vie, nous, oh, n'a pas tout y a noté. Kaka n'a pas eu, kaka, matéa. On peut déjà qu'on comprenne que aussi, bah, il y a un maillot. La question sur le mariage. Mon tout n'a pas de colonne à l'ibala. Merci beaucoup. Je lis la parole de Dieu. Attendons-nous, il n'a pas tant à l'île de l'Assemblée. Dans le livre d'Exode, le chapitre 22, le verset 16. À 17. Au Canada, au Bimini, au Capoya, tout comme il balait dans le balai, dans le Toba, il nous a mis ensemble. Je lis la parole. À Kutanga, il nous va. Si un homme séduit une vierge, à Saint-Guigny, il va en dehors, il y a une balité. Voilà. Au Saint-Guigny. Au Saint-Guigny, pour nos enfants, peut-être ne comprennent pas, mais c'est en quelque sorte une convocation. Réveiller un sentiment. Ok? C'est lui, c'est réveiller un sentiment qui s'endort. Parce que selon la parole de Dieu, avoir le désir, c'est réveiller ce qui dormait en vous. Avant d'avoir un mari, l'amour est appelé à dormir. Yambo na kozwa mobali kibala e bolingo e sengami na kolala nan. C'est illégal avant le mariage de sentir le désir sexuel. Ezali malamu te. Nanu babala yote oyoka posa ya kosangisa nzoto. Nous allons le démontrer dans la Bible. Okotali sango na kati ya Bible. Aucun homme, aucune femme, moi, si mon côté ne doit réveiller son amour avant le mariage. Sinon, si vous agissez ainsi, réveillant vos sentiments d'amour pour une femme ou pour un homme, vous vivez avec cela en vous et vous accomplissez certains actes qui sont en rapport avec le vrai amour.
vous-même, vous devenez un hétérosexuel. Parce que vous vous excitez sur n'importe quoi et à n'importe quel moment. Au point que vous vous abusez vous-même. Cela n'est pas logique. J'ai déjà abordé, mais je n'ai pas encore lu la parole. Si un homme séduit une vierge, qui n'est point marié, qui n'est pas fiancé, et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. On veut apprendre beaucoup de choses là-dedans. Je reprends quelque chose que je vous avais recommandé. Réagir lorsque la parole de Dieu vient directement à vous. Si vous ne pouvez pas réagir en venant ici devant, vous venez prendre l'engagement devant Dieu d'être quelqu'un d'autre. Même là où vous êtes assis, n'attendez pas la fin de la prédication. Réagissez en fonction de l'esprit qui vous révèle ce que vous devez faire. Dans vos yeux, priez même là où vous êtes assis. Demande au Seigneur de t'aider là où vous êtes assis. Si vous voulez prendre un engagement, allez ici, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu de vous aider sur des choses que vous ne pouvez pas. Parce que nous sommes incapables. Quand nous écoutons la parole de Dieu, il y a des points qui nous concernent particulièrement. Et quand ça te concerne, tu te sens interpellé, ferme tes yeux, demande à Dieu de t'aider de vivre en harmonie avec lui. Il n'est pas bien d'écouter la parole et de ne pas réagir lorsque vous êtes interpellé. C'est une parfaite incrédulité que vous ne savez pas. Vous laissez les moments où Dieu vous parle en particulier et vous ne prenez pas position. C'est une incrédulité. Et le temps que vous avez laissé silencieux, les diables sont pas d'une autre idée. Il ne vous fait pas réagir. Et c'est cela, ça resterait en vous toute la vie. Parce que vous n'avez pas réagi. Dès le moment que Dieu vous a parlé, vous avez préféré peut-être dire que bon, je vais voir. La Bible dit, écouter sa parole aujourd'hui, il vient de lui sortir pour le qui nous va aider. Et c'est que là, on dit, maman, mais côté, et c'est que nous savons, vous devez ouvrir la porte, et c'est que nous pouvons les couper. C'est cela le moyen. Où allez la vie de là? Bon, comment poser la question pour savoir est-ce que ça serait pas un désordre pendant qu'il en prie et pendant qu'il en prêche, quelqu'un vient s'agenouiller et valider sa décision? Je dis non, c'est pas un désordre. C'est bien des questions. Prenez le temps d'observer petit à petit, vous allez comprendre. Mais voici, il se tient devant la porte. Il toque. Il toque à quel moment? Au moment que vous écoutez la parole de Dieu. Si vous ouvrez, c'est la validation que vous donnez
et la décision que vous prenez. Et ça pour l'immisalieux, ça dit qu'on fait sa paix. Et ce moment-là se passe avec la prière. N'a pas de temps et qu'on est dans le sang. Vous priez. Au courant de là. Dieu sait comment vous avez été touché. Nous avons aillé, nous avons dit, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas mal. La prière que vous faites, c'est que vous reconnaissez que vous êtes faible à ce niveau-là. Et ça dit que l'accès est ignoré aux âmes qui m'a coquille qui nous a donné. Vous avez besoin que Dieu vous aide. Aux âmes n'a pas fait des âmes d'un. Alors le Seigneur comprendra. Vous avez accueilli vous avec une décision. Et que aux yeux mon cas malade. Et cela mérite l'aide de Dieu. Voilà et c'est combien de disputes dans la veille. Ça vous aidera. Et que son gamin. Vous pouvez le faire là où vous êtes. Pour qu'il consacre la épée au vade. Aussi réagir en se levant et en venant devant l'autel. Pour qu'il mette côté les personnes qui le respirent. Pour y accaparer les besoins de tous. Posez votre fardeau et le Seigneur vous aidera. Voilà côté comme au Kumba la matinée des amis son gamin. Qui se fait silencieusement dans la pensée seulement. Le diable est capable de voler vos sentiments, vos pensées. Et vous direz, d'ailleurs, je n'ai pas fait un vœu. D'ailleurs, je ne suis même pas approché pour dire. Donc, je ne dois à Dieu rien. Si au moins, j'avais dit. Moi, Seigneur, alors je me souviendrai. J'avais dit, Seigneur, je vais laisser ça. Et que dans le bac, ils avaient son âme à ce qu'elle est capable. Si tu as fait, c'est comme ça se passe entre nous ici. Et ça, il y a encore là, il est caracatat, tu sors. On peut avoir un maison, c'est un poule, c'est grillé. Et qui peut nous aider à acheter cela? Quelqu'un peut avoir la volonté de dire, je peux acheter. Donc, on va dire en poule, et dit, tant qu'il y a quelque chose dans son mangon, on a quoi qu'on a pas son malade, on a dit dans son cœur. Alors, il a qu'à tirer côté malade. Mais il n'a pas fait un vœu public. Mais quand si Andini, comment on a mis sur la côté? C'est possible. Et ça, on a coquille. Quand l'arrivée est arrivée dehors, et qu'à comme il a dit, il dit, de toutes les façons, personne ne savait. Alors, lui, bon, on va y aller là, on a dit, alors, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe d'autres affaires. La cause, elle a dit, on a pas mis sur la poule là, peut-être quelqu'un a acheté. En poule, on a mis sur la côté. Mais Dieu sonde les pensées et les cœurs. Il entrera, il essaiera de t'aider, mais tu lui diras, Seigneur, je n'ai rien dit, moi. Et cela n'est pas bien. Voilà pourquoi valider vos pensées, valider là où vous êtes touché et laisser l'Esprit du Seigneur vous conduire à ce que vous demandez à Dieu. Amen. Amen. Le mariage, vous connaissez bien la définition, elle est tellement naturelle. C'est un lien entre l'homme et la femme. Qui décide d'habiter ensemble, de penser ensemble, et de faire toutes choses bonnes ensemble. Cela est vraiment parfait. Vous excuserez beaucoup ma voix parce que il n'y a pas eu de repos pour moi. Merci aussi pour l'interprète. Qui est toujours resté courageux. Donc, le mariage, c'est cela. D'abord, c'est une recommandation de l'Éternel et c'est dans sa pensée depuis l'éternité. Depuis l'éternité, Dieu avait prévu que lorsqu'il créera l'homme et la femme, qu'il les permette de vivre ensemble. C'est ce que Dieu avait dans sa pensée. C'était avec lui depuis l'éternité. Ça n'a pas commencé subitement. Mais ça a été dans sa pensée. Voilà pourquoi le premier verset de la Genèse, ou encore le mariage, il y a Genèse, vous allez pour le Baba.
c'est dans le livre de la Genèse, le chapitre 1er, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je me vais expliquer quelque chose ici. Le verset 27. Il s'agit ici non d'une formation, de quelque chose à base d'autre chose. Non. Il s'agit ici de la naissance, de la parole de Dieu, de l'idée que Dieu avait et ce que la parole portait en elle. Dieu est la parole. Et la Bible dit il avait la parole. Tout ce qu'il a créé, il a créé à base de la parole. L'homme et la femme ne sont pas d'abord à Boudou des créatures naturelles. L'homme et la femme ne sont pas d'abord des créatures naturelles. L'homme et la femme sont devenus des créatures naturelles lorsque Dieu les a formés un corps. Mais avant de les former un corps, l'homme et la femme sont dans la parole de Dieu. Donc ils sont esprits. Ils sont immatériels. Donc ça veut dire que l'homme était dans la pensée de Dieu, la femme était dans la pensée de Dieu. Et nous avons que mon père. Depuis cette pensée, Dieu les a créés côte à côte. Et depuis l'éternité, le but de la création, c'est de continuer de vivre ensemble, se multiplier et remplir la terre. Là encore, ils n'ont pas encore un corps. Là, Dieu ne les avait pas encore donné un corps. Il a dit, soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Quand Dieu dit, soyez féconds, il s'agissait de l'union sexuelle. Et cette union n'avait qu'un seul but. Donc depuis la création jusqu'à là, quand Dieu a fait l'homme et la femme, ce n'était pas pour le plaisir sexuel. Il n'y avait pas de désir là-bas. C'était uniquement pour la procréation. Avoir des enfants. Beaucoup d'enfants remplir la terre. Donc il y avait une période spécialisée que l'homme prenait la décision pour aller vers la femme. Vous allez dire non. C'est pas cela. Et pourtant cette culture est encore jusqu'aujourd'hui. Cette culture qui est restée dans les oiseaux, les animaux et toutes ces choses-là. Vous pouvez avoir une chèvre ou un chien. C'est pas tout moment
Le chien ou la chienne ira dehors pour s'accoupler avec les hommes. Il y avait une période spécialisée. Et l'homme va. Et la femme tombe enceinte. Et l'homme s'arrête. L'homme s'arrête. On attend jusqu'à la naissance de l'enfant. Et l'enfant doit naître. Dans cette période-là, on attendait que l'enfant soit capable d'aller faire quelque chose sous l'ordre des parents. Et si l'enfant va faire ce que les parents ont dit, va prendre l'eau. L'enfant va prendre l'eau et ramène l'eau. L'homme dit maintenant, ma femme est libre. Là, je vais encore batailler. Est-ce que vous comprenez? Ça ne dépendait pas du désir sexuel. C'est un devoir pour l'homme. Amen. Yeah. Et d'où est venu le désir? Genèse chapitre 3. Remarquez d'où est venu le désir. D'où est-ce que le désir sexuel est né? Exode 3, le verset 6. Genèse 3, le verset 6, excusez-moi. La femme vit que l'arbre. L'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Moi aussi, à mon avis, je la qui m'a l'âme, la polia, paix, la bonne. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle est prise de son fruit. Et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Amen. Amen. Voilà ici les choses évoluent maintenant. Le but du mariage n'est plus seulement pour la procréation, mais le désir entre. Mais c'est entré pernicieusement et de façon illégale. C'est là où est venu le péché de la fornication. Le péché de la fornication, c'est une inconduite. La fornication est une inconduite. Un péché. Sa définition est simple. Inconduite. Quand est-ce qu'il y a eu l'inconduite? Ici on nous dit que la femme a mangé ce fruit avec le serpent et la mananioka. Amen. Amen. Écoutez bien. Écoutez la réponse de la femme. Voilà la réponse de la femme. Au verset 13. Genèse toujours 3, verset 13. La femme dit, moi si à l'homme. Et l'Éternel dit à la femme, Yahweh à l'homme à moi. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, moi si à Yahweh. Le serpent m'a séduit. Satan a séduit ce n'y Il n'y a qu'elle seule qui soit capable d'expliquer ce qui s'était passé dans le jardin.
Aucun prédicateur ne peut essayer de mentir sur ce point. Parce que souvenez-vous que beaucoup de prédicateurs mentent sur la parole de Dieu. Ils s'approprient des choses qui ne les concernent pas. Donc il n'y avait pas un témoin oculaire qui pouvait expliquer ce qui s'était passé au jardin. Pourtant, les acteurs eux-mêmes ont justifié ce qui s'est passé dans le jardin. Dans nos églises aujourd'hui, mais les gens présentent ce qui s'est passé dans le jardin. D'autres parlent de la sorcellerie. D'autres parlent de la forme. De la forme. Mouvement. Amen. Amen. Or ici, il ne s'agit pas de la forme. Dans les explications allégoriques, on nous dit que ce qui est sur l'homme ici, on appelle pomme d'Adam, ça veut dire que c'était resté là le jour qu'il a mangé la pomme. La Bible dit, la pomme, c'est un fruit que l'on mange. Mais le fruit, c'est les caractéristiques de la vie de l'homme. On dit qu'on reconnaît l'homme par ses fruits. Comme la colère, c'est le fruit du diable. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Donc quand on parle du fruit ici, on parle des actes posés. Or, Ève a dit à Dieu, quand Dieu lui a dit, pourquoi as-tu fait cela? On peut poser aussi aujourd'hui la question à Ève. Aujourd'hui maintenant, explique-nous qu'est-ce qui se passe. Ève répond, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Amen. Elle a dit, j'en ai mangé. Alors, il a dit, mais nous ne voyons pas le visage. Amen. Dans le livre de Proverbes, on dit que la femme adultère mange, elle se suie la bouche, elle dit, je n'ai point mangé. Dites-moi, quel adultère et comme on fait avec la bouche? Amen. 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 Quel adultère? Et comme on dit, ça veut dire que ça ne se fait pas en mangeant. Et dit comme ça, c'est là. Et ça dit ainsi. Et ça, c'est le lien qui est maillé dans le paradis. Tu parles avec une heure. Ça va être le paradis. Il mots codés. Il y a moi, à la ligne, pour le mal de la bonne. Pour accompagner le visage. Vous avez dit la femme adultère. N'attends pas que vous avez dit moi qui est là. Allez. Si ça s'est passé, qu'elle avait mangé, sauf les alcools de la vie à mon enfant, j'allais donner raison. N'a pas aux gens, n'a pas tout. Et chaque femme, et moi, si nous sommes, je vais avoir les carrés dans le ciel. Et c'est quand elle a la maladie à nous, à mon avis. Si elle avait à manger, si l'acte qu'elle avait posé c'était le manger, chaque femme devait avoir le caridon. Moi, si Dieu fait l'acte dans la maladie à mine, maladie à mine. Mais Dieu n'a pas pu l'acte. Mais il n'était pas mangé. Et ça qui a connu à terre. Dieu a dit, nous avons le mis. Dieu fondera avec douleur. Et comporte à la passe. La punition est pour nous. Égale à l'acte qu'elle a posé. Et la vie s'amène à mon salon et ça m'a dit. Donc c'est égal à l'acte qu'elle a posé. Et pour qu'elle n'a mon salon et ça m'a dit. Et ça qui est à mon imamé. À partir de l'acte là, n'entendez mon salon. Alors, le serpent a réveillé l'amour. N'a pas de yoga. Aïe pour l'amour, ça m'a dit. À réveiller les sentiments. À l'amour, c'est pas pour ça.
Parce qu'une femme non mariée, moi si on la balade, ne devait pas vivre les sentiments. Et c'est là qu'il est d'ailleurs qu'on va pour ça. C'est illégal. Et ça, madame, t'es. Pourquoi? Pour la nuit. Dieu est bon. Ça, madame, quand Dieu punit la femme, maintenant Dieu va orienter les sentiments de la femme. Le verset 16. Tu confronteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Maintenant que tes désirs sont déjà réveillés, et maintenant que tu t'es déjà uni aussi avec ton mari, je ne permets plus à tes désirs d'être portés vers un autre. Non. Tes désirs seront portés uniquement vers ton mari. Même si un homme reste nu devant toi, dans la logique, tu dois simplement éprouver de la honte. Pas le désir. Selon Dieu. Eh ma soeur. Excuse-moi. Bonne misère, c'est la Bible. Amen. Amen. Si maintenant, chaque souci te séduit à 5 millions en dehors de ton nom, n'a dit pas de mon mari. Même si cet homme est qui, tu ne vois plus le sentiment. Même si la croix, tu ne vois pas le sentiment. Et si tu le sens, découvre que tu es une pécheresse. Il faut que tu découvres ça. Et c'est que l'on y est. Amen. Amen. Ton cœur doit être porté vers ton mari. Mon tes sentiments vers ton mari. Tes pensées vers ton mari. C'est tout. Mon père m'a laissé au bain. Ma capacité pas à mon bain. Ma pensée n'a pas à mon bain. Je suis qui on. On est en mari de lui. Les mariages, pas les abouts. Est-ce que tu comprends ça? On a dit à parce que le mari de lui, c'est la violence. Dans la logique, personne ne doit t'exciter. Personne ne doit être le sujet de réveiller tes sentiments. Même une causée. C'est pour cela que nous, les chrétiens, être en face de ce film abominable et s'exciter après avoir vu ce film est un péché. C'est pour cela que je dis ceci. Le désir vers un autre qui se réveille est une preuve que tu es égaré loin de Dieu. Non. Tu dois réveiller ton amour en dehors de ton mari. Est-ce que tu comprends ma soeur? L'homme dominera. Parce que c'est cette partie-là, je parlerai de cela. Pourquoi l'homme doit dominer sur toi? Parce que la femme, c'est lui la première. Avec tombé l'homme. L'homme n'est jamais tombé depuis la création. L'homme, c'est une image de la fidélité. Écoutez comment l'homme répond au verset 12. Voyons quand
kopesa eyano na molongo ya somi na mibale. La femme que tu as mise au déjeuner mange. Moi si oyote pembeni na ngai apesi ngai mbuma pe ngai na li. Qu'est-ce que Timothée nous dit pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament? Timothée le chapitre 2. Au canal aussi à Timothée, mon capoeira balé. Timothée le chapitre 2, le verset 14. Retenez bien le verset que je vous donne. Aussi ma verset biblique que papa a dit pour faire sa malade, comment on a caïn à l'homme? Je lis. Nakotana. Verset 14. Adam n'a pas été séduit. Adam, il est né à Saint-Niamanité. Mais la femme. Cassimoi. Séduite. À Saint-Niamanité. S'est rendu coupable de la transgression. Aïe, comment a été adossé mon même fait? C'est la femme. Et Zali Moisi qui a été séduite. L'homme n'était pas séduit. Mon père a séduite. Parce que l'homme avait le droit d'accepter ce que lui présente sa femme. Oh, moi, si, si la femme présente à l'homme son désir. L'homme est appelé à accepter. Mon mari a sénat à ton parce qu'ils sont un seul corps. Une seule chair. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi la coupable, c'était la femme. La femme n'avait pas agi dans le but de séduire son mari. C'était dans le but de satisfaire son mari. Et Zaki n'a pas fait à couper ses seins. Le serpent mais Nyoka a agi par séduction. C'était donc illégal. Et m'a fait. Mais la femme a joué son rôle. Parce que la Bible dit, ne vous privez pas l'un et l'autre. Donc, jusqu'à là, le péché n'était pas attaqué, n'avait pas attaqué l'homme. Mais l'homme, est devenu pécheur par la loi de l'unité qui exige en disant un homme qui va avec une prostituée devient un même corps avec cette femme. Donc l'homme est aussi adultère, est aussi prostitué parce qu'il est allé avec une femme prostituée. Et cela est devenu un grand problème. Je veux que vous compreniez la leçon parce que je suis en train de parler sur le mariage. Je suis en train de combattre le célibat. Je suis en train de combattre quelque chose qui donne une mauvaise image dans cette église. Je suis en train de combattre ces gens qui vivent dans le péché qui se livrent, mais qui sont là et qui se présentent devant tout le monde et qui acceptent que leur péché soit validé. C'est pas normal. Bon, on a maté un malade parce que Nazali wana côté à l'école de Nibala. Nazali côté mena. L'issue pour ma combat n'a pas combat la terre. Oh, Nazali wana au Kamata Basti Kiriki. Nazali côté à l'issue pour la maman la mise sur la bateau. Sonic est à l'école de l'Israël. Les amis qui encouragent le copinage. Banito va côté de la maman. Les amis qui encouragent le copinage. Ma côté côté de la maman. Les amis qui encouragent le copinage. La pasteur va côté de la maman. Les amis qui n'éprouvent aucun remords. Et quand nous prêchons, on est contre. On est contre. On est contre. On est jaloux. Non. Nous disons la parole de Dieu. Parce que moi, ce que je sais que la parole de Dieu, quand je te la prêche, c'est à toi de croire. Et si tu ne crois pas, ce n'est pas mon problème. Je m'en fous. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas jouer. Et d'ailleurs, c'est toi qui n'auras pas ce bénéfice de la parole. Est-ce que ton incrédulité change Dieu? Pourquoi est-ce que tu m'as dit que tu es bon pour
Nzambe. Est-ce que ton incrédulité peut me changer? Kokoma ya kondima na koko bongo lisanga. Je resterai toujours prédicateur de l'évangile. Akotika la kaka monte ya sanga. Tu crois ou non? Ondima te ondie. Je serai toujours prédicateur. Na kotika la kaka monte. Tu vois? Omani. Ça n'a rien changé en moi. Et le moyen de la passer quand tu n'as changé sur Dieu. Et le moyen de la passer pas Nzambe. Chez toi. Et pas na yo. Tu as perdu. Yo ou osan ici. C'est toi qui as perdu, c'est pas moi. Même si tu me critiques. Attends, c'est pour nous rassembler pour dire du mal de moi. Attends, je reste ce que je suis. Et j'avance. Dieu reste ce qu'il est. Je reste ce qu'il est. Tu me critiques. Et ça, tu n'as pas de temps. Waouh, Jésus. Ah, il est clair. Paolo a dit qu'on dit Adam. Et il a dit à Adam que lui n'était pas coupable. Et Alomina Adam que Azara qui tombe en la seule raison qui fait que Adam, Adam soit pécheur, Azara c'est parce qu'il n'a pas blâmé. Et ça dit que Angara qui a n'a pas corrigé Angara qui les conduites de sa femme. Et d'abord il m'a fait à moi si n'aille. Gardez ça, je reviendrai là. Parce que les amitiés sont faites pour que l'un et l'autre soient capables de réveiller celui qui dort. On ne peut pas être des amis et s'encourager du côté du mal. On peut être des amis et sont capables de se reprocher l'un et l'autre. Nous avons besoin toujours que quelqu'un soit à notre côté pour nous apporter une bonne information. Nous allons toujours dans le secret des motos de la première émission. Amen, la mission sans mon malin. Que nous n'ayons pas des amis qui vous encouragent dans le péché. Oui, allez, avance, fais ça comme tu veux, ça va marcher. Et c'est que vous allez venir nous apporter dans la carte des sous. Il y a solo, qu'est-ce que vous avez? Ça va être dans ma langue. Non, vous êtes un mauvais ami. On a vivé là-bas plus tard. Amen. Amen. Est-ce que maintenant vous avez compris? Amen. Automatiquement, que la femme était séduite. Oh, moi, ça c'est une et a fait cet acte avec le serpent. A l'homme n'a pas blâmé. Parce que l'homme devait réveiller à la femme cette idée. Moi, c'est la moi comment tu connais cette dame? Pourquoi tu as compris que c'est bien? Tu as donc mangé. Donc il m'a dit avant. Mais moi, Dieu m'avait dit de ne pas manger. Ça pas le... L'incapacité de dire la vérité. Celui qui est à côté de vous. Vous met dans un même lot. L'incapacité de dire à l'autre que tu fais là n'est pas bien, ça vous juge aussi. Vous êtes incapable. Vous vivez dans l'inconduite. Vous n'êtes pas capable de blâmer, même si c'est ta femme. Même si c'est ton mari, tu dois lui dire que ce qu'il fait est bien ou c'est pas bien. Et c'est rien à voir que le balayé. Voilà en fait comment le péché est venu. Le désir sexuel est venu. Dans ce désir-là, si nous lisons, je crois, Genèse comme ça, si vous pouvez vous rappeler de ce verset dans la Genèse. Ce qui peut dire la carte de la Genèse. Je ne me souviens plus de son nom, mais je connais la scène. La scène dit que cet homme est sorti avec la femme et il a joui par terre. Simeon. Simeon. Amen. Le deuxième péché qui dérange Dieu dans le mariage, dans la logique, on ne devait pas utiliser dans le mariage ce préservatif.
Nakati ya libala, mwasta mbobalo babalani, bako kiko sangisa ndoto na bangona preservative se. Selon la logique de Dieu. Nakota nene mbobeko na dabeza. Parce que le préservatif. Poete ba préservatif. Permet à ce que l'homme jette la semence. Ezali kopesa nzela na mobali, akwaka molona. Si tu n'es pas prêt à vaincre comment. Soki obongisa mite pona kokota. Alors réserve-toi à ce désir. Nayango bimbate la main. Ou tout homme qui se fait plaisir lui-même et se souille par terre dans la logique de Dieu, c'est une interdiction. Parce que c'est une semence. On doit choisir où jeter la semence. Et c'est qu'elle est comprenne, c'est qu'elle ne comprend pas bonne terre. Na ma belle là. Elle doit être fertile. Et c'est qu'elle ma belle dans la sème. Donc tout homme. Mon malignoso. Qui vit avec le plaisir de lui-même. Oh la colère que c'est moi pour faire tout le commet le péché. Avant ça, il souffre. Tout homme. Mon malignoso. Utilisons la préservative. Oh la salle la préservative. Contre sa femme. Et l'homme, il croit à moi, c'est d'ailleurs. Commet le péché. Avant le péché. Parce que après la préservative, tu vois, j'ai pris ça où? Merci, maman, la préservative, que n'est pas là. C'est une chose. Mais ça, quand même, il y a derrière ce fait, c'est que tu jettes là un ministre. Merci, maman. Un prédicateur. Merci, maman. Il y a un homme qui a dit qu'on voit quand même. Donc qu'est-ce qui est mieux? Et là quand il est allé malade, se retenir. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voilà. Ce qui est mieux, c'est se retenir. Oh les amis malades, mais allez comme il parle, on va tout comme il bombe. Parce que pour être, tu n'es pas là. On allait voir notre tête. Simplement pour le désir. Quand la bonne a pour ça, cette action est promitive. Mon salaire, on est allé, mon salaire est bon. Ce n'est pas de la blague. Les amis, ils savent. Je crois que ça va aider les gens de ne pas aller dehors parce que le préservatif, c'est déjà mauvais. Tout en sachant que dehors là-bas, c'est pourri. Donc, merci Seigneur. Alléluia. Puisque dehors là-bas, il y a des infections. Il y a des maladies. Il y a la mort. Mais tu te caches derrière le préservatif. Je crois que frère, tu vas bien comprendre. Excusez-moi. Est-ce que ça marche? Oh. Ça, c'est l'apôtre lui-même. Le Seigneur n'interdit pas seulement. C'est pas l'union sainte, non. Ça veut dire que dedans il y a des interdictions. De l'homme qui se suit par terre, considérer cet acte comme l'acte de péché, il s'agit aussi d'aliper. Lévitique 18, verset 19. Je ne t'approcherai point d'une femme pendant son impureté menstruelle. Pour découvrir sa nudité. Est-ce que maintenant vous comprenez le mot? Découvrir la nudité, c'est directement l'acte et non voir. Quand je vous avais dit, le fils de Noé a découvert la nudité de son père. À la lumière des Écritures, cela veut dire simplement qu'il était passé à l'acte pendant que son père était ivre. Et l'homosexualité. Et c'est grave. Le premier péché de l'homosexualité s'est passé entre Noé et son fils. Vous avez maintenant compris? Aussi bien. Si ça avait brouillard chez vous, maintenant comprenez.
Dans la sexualité dans le mariage, la Bible interdit à la femme de se donner pendant qu'elle est dans son état d'impureté. Et c'est là que la main a eu. Car quand tu as une justice,
dans le péché. C'est de l'infidélité. C'est pour cela un homme. Il doit savoir blâmer la femme. Et c'est là qu'on a ramassé la vie. Il faut te guérir pour la femme. Il faut te guérir quelqu'un qui va te guérir. Non. Yeah. Tu dois blâmer ta femme. Et c'est là qu'on a ramassé la vie. Elle est l'occasion de l'adultère. Bon, Azali, qu'on passe pour ça, les corps. L'église est capable de dire, frères et sœurs, je vous ai vu parler en secret là.
dites à haute voix. Église, c'est là que je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Parce que ce qui est dit, on ne peut pas être proclamé à haute voix. Dites-moi ça, pourquoi vous avez parlé en secret? C'est interdit d'avoir une femme qui fait des secrets avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et petit ami, na moi si anda na obala, osaka secret na bato misus na libando mobala na yebite. Le secret. Makambo l'infidélité. Et ça y peut osaka kotos. Le secret. A secret wa. Viens, on va acheter telle chose, on sait que ton mari ne sache pas. Il y a quand même son mari, là, comme on va la coco, ma maman, il n'a rien à faire. Non. C'est pas correct. Et ça va là, monsieur. Pas logique. Et ma mère. C'est de l'infidélité. Et ça dit qu'on s'en a fait tous. Pour l'honneur de ton mari. Voilà le coup, moi, il va là, là. Si on te propose quelque chose. Soit qui va dire que personne n'y canisse, il n'y a pas encore. Si tu dois obéir ou pas. Soit qu'on nous dit tous à notre terre. Tu dois te faire connaître à ton mari. Et c'est le rien, il s'en veut pas, mon mari, là. On m'a dit, on a acheté une voiture. Na somba motu. Tu fais asseoir ton mari. On va ici, on va aller. On est inter. On a dit, on m'a dit, on a acheté une voiture. Na somba motu. Ton mari est libre de dire oui ou non. On va aller là, on a dit, il y a quoi, on a dit, on a dit, ça, c'est pas le secret sur le domaine. On a dit, on a dit, on a dit, on ne mélangez pas les choses. Si ta main gauche donne, ceux qui disent le bon, ceux qui ne vont pas le bon, le père et toi ne sache pas. Le bon, comment ça y est, bâtir. Ça, ça se passe dans l'église. On a dit qu'on est dans la carte d'église. Pendant le service des offrandes. La carte n'a pas ça, elle est pour qu'on en a même à Bolsa. La femme est libre de donner combien elle peut donner à Dieu. Moi, ça, ça dit qu'on s'en est pour qu'on en a même à Bolsa. Combien? Mon mari, pas qu'on peut s'en est à Bolsa. Il n'y a pas de causerie entre l'homme et la femme. On a dit qu'on 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 la façon de donner, vous ne devez pas enfreindre la loi de Dieu. Parce que savez-vous que vous êtes marié à Christ. Vous femmes, vous êtes marié à Christ. Pour la raison du service sacerdotal, le secret doit être à lui. La femme doit donner comme elle veut. Moi, ça compense à l'égalité. Mais comme elle veut. Et cela ne doit pas vous créer des problèmes. Vous devez craindre Dieu. Amen. Non. 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 Est-ce que vous comprenez? On a dit. Est-ce que quelque chose va? Amen. Ça va bien? Amen. Il n'y a pas d'accord avec la foi. Amen. Avec quelqu'un, il faut élever la voix. Quelqu'un peut se poser, mais il doit élever sa voix. Moi, que le mari, même là où il est assis, même là où il est dehors, qu'il entend. Moi, quand on me soigne, ça y est, et c'est bien pour la maman. Mon mari n'a pas la simabouna. Attends, ça y va, il y a des solos à l'île. Et ça veut dire quoi? L'homme ne doit pas poser avec une femme. Non, mon mari, c'est qu'à son nom, c'est bonjour. Il n'y a pas la haute voix. Eh ma soeur, tu es venu me voir ici à la maison. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Est-ce que je peux te donner un jus? Mais on est obligé d'obéir. Et les amis, le balançable, tant que c'est que ça, la vision passe. Mais ton ciel n'a rien à côté de Sayago. Amen. Amen. Dans le côté vestimentaire de la femme, vous avez compris. Na oh, mon nid est là, t'es aussi du malin. Il s'habille très mal. Parce que malin, ça est une infidèle. Azali ou moi, sur la côté de sa terre. Elle est cause de l'adultère. Il y a des côtés là-bas dans les côtes. Parce que Jésus a dit que l'adultère n'est pas seulement pour la vie, elle est aussi la puissance d'une pensée. Il y a seulement que comme Ezali Kaka Mostalo que ça a été, Ezali Ben Gouya Yamakalisi.
Est-ce que vous comprenez? Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui aiment qu'elles servent. Les femmes s'habillent de façon sale. On a un moussala, on va exiger que quand il y a ça dans la boîte, il faut aller à la ménagie, il y a un niveau. Et les gars, mes belles. Pima y est moussala. Pima y est moussala. Quand vous êtes là, 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 vous êtes là. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur.